Nous recommandons ce moment entre tes mains. Parle-nous, instruis-nous, libère en ces lieux l'onction de ta parole. Car il est écrit, l'onction vous enseignera toutes choses. Père, nous prions que ce soir, que l'onction nous enseigne. Onction du Dieu vivant, enseigne-nous. Onction du Dieu vivant, instruis-nous. Onction du Dieu très haut, parle-nous. Nous sommes disponibles. Au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen en acclamant le Seigneur? Est-ce que tu peux exagérer dans tes acclamations? Non, tiens-moi songi songi mouké dans tes acclamations. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé. Merci, pasteur Trésor. Merci, maman Sarah. Nous sommes dans la joie que de nous retrouver là ce soir. Du rejet à la miséricorde. Tel est l'enseignement que nous avions commencé depuis hier. Et dans notre introduction, nous avons commencé par voir les buts de cet enseignement. Et premièrement, nous avions dit ceci. Cet enseignement a pour but de nous faire réaliser la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme. Que l'on comprenne la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Et en parlant de l'amour de Dieu pour l'homme, nous avons été conduits
à noter un certain nombre de vérités. Nous en citerons trois à ce niveau. Et la première vérité était la suivante. Nous avions dit ceci: que l'amour de Dieu est plus fort que le péché de l'homme. L'amour de Dieu est plus fort que le péché de l'homme. Et nous avions lu ce texte de Genèse. Quand l'homme a péché, non, Dieu n'a pas attendu que l'homme revienne vers lui. C'est Dieu qui a été le premier à prendre l'initiative d'aller vers l'homme. Alors que c'est l'homme qui avait péché, c'est lui qui avait offensé Dieu. C'est lui qui était censé revenir se repentir. Mais Richard, Dieu n'a pas attendu que l'homme vienne vers lui. Non, Dieu est allé à la recherche de l'homme pécheur. Pourquoi? Parce que son amour est plus fort que l'homme. Le péché ne pouvait empêcher Dieu de chercher l'homme. Pensez-vous que Dieu n'était pas au courant de ce qui s'était passé ce jour-là? Quand il descendait en Éden et qu'il était en train de circuler dans les ruelles du jardin, il savait que l'homme avait mangé le fruit interdit. Mais Dieu n'est pas resté au ciel. Dieu n'a pas tourné son dos à l'homme. Non, malgré l'offense, Dieu est venu et s'est mis à la recherche de l'homme perdu. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est à la recherche des hommes perdus. Amen. Et la deuxième vérité que nous devons noter en parlant de l'amour de Dieu, nous avions dit ceci: que les exploits d'aujourd'hui ne doivent jamais, frères, nous faire oublier nos origines. C'est-à-dire, quels que soient les exploits que tu accomplis aujourd'hui dans le Seigneur, quel que soit ce que tu es devenu dans le Seigneur, apôtre, bishop, je ne sais pas moi, interplanétaire, tu parles en langue, tu prophétises, tu interprètes, tu guéris les malades, tu chasses les démons, peu importe, frère, tes exploits dans le Seigneur, peu importe tes expériences dans la foi, tu ne dois jamais oublier d'où tu viens et d'où nous venons. Frère, nous sommes que de pécheurs sauvés par grâce. Autrefois, nous étions en train de nous vautrer dans la boue du péché quand Dieu est venu nous prendre. Nous n'étions que des impurs. Nous n'étions point connus de Dieu. Nous ne faisions pas partie de la famille des enfants de Dieu. La Bible déclare: nous qui n'avions point de droit de cité en Israël, il a fait de nous des gens de la maison de Dieu. Il a fait de nous des citoyens du ciel. Il a fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Aujourd'hui, nous sommes des descendants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ, des ayants droit du ciel. Et dans le royaume céleste, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, et aucun diable ne pourra l'effacer. Car c'est écrit avec le sang de l'agneau de Dieu. Autrefois, nous n'étions que des perdus. Et bien aimé, il est bon que nous puissions garder à l'esprit cette vérité-là. Ainsi, la connaissance, mais bien plus la conscience de cette réalité d'où nous venons, va
vont plutôt la connaissance et la conscience, parce que nous ne devons pas seulement connaître, mais être conscient, c'est-à-dire réaliser que hier encore nous n'étions que de perdus, aujourd'hui il nous a trouvés. Hier encore nous ne valions rien. Nous étions sans nom. Mais aujourd'hui, il nous a donné un nom. Bien-aimé, la connaissance, mais bien plus la conscience de cette réalité de notre passé, son capital importance primordiale. Pourquoi? Parce que cette connaissance et cette conscience produisent en nous un certain nombre de vertus. Des vertus spirituelles. Et la première vertu, je l'avais dit hier, que cette vérité nous donne de développer d'une manière permanente la reconnaissance à l'égard de Dieu. Oui, frère. Quand je sais que hier encore j'étais dans la prostitution, aujourd'hui je suis devenu serviteur de Dieu, servante de Dieu. Hier encore dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'impudicité, mais aujourd'hui dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la consécration, dans l'intégrité. Frère, la conscience de savoir qu'il m'a tiré de quelque part. Mon frère papi, ça fait que constamment que je sois reconnaissant à Dieu. Moi, un pauvre pécheur. Tu m'as pris de la boue. Tu m'as fait asseoir avec les grands. Tu m'as donné un nom nouveau. Oh Dieu, mon cœur est dans la gratitude et dans la reconnaissance à cause de l'œuvre de la rédemption. Cela me permet de demeurer dans une attitude permanente de reconnaissance. Et ce soir, je vais nous donner la deuxième vertu que cette connaissance et cette conscience produisent en nous. Une attitude permanente d'humilité. Une attitude permanente d'humilité. Frère, savoir que je ne suis qu'un ancien pécheur sauvé par grâce au moyen de la foi, que ce n'est pas par mes œuvres, c'est pas que je fais des choses qui ont impressionné Dieu et Dieu est venu vers moi. Non, j'étais indigne, je ne méritais rien. Candidat à l'enfer. Mais il m'a sauvé. Frère, ça fait que je sois humble. Cette connaissance et cette conscience te garde dans l'humilité. Non, Seigneur, ce n'est rien de moi. Mais ça me vient de toi. Papa, ce n'est que grâce. Ça me garde dans l'humilité. Ça vient de Dieu. Mon ami, que tu prêches aujourd'hui, c'est une grâce. Que tu marches dans la crainte de Dieu, c'est une grâce. Que tu marches dans l'intégrité, dans la sainteté, que tu aies développé aujourd'hui la haine du mal. Tu dégoûtes la mondanité. Aujourd'hui, les choses dans lesquelles tu vivais encore hier, mais tu le regardes comme de la boue. Tu le regardes comme une perte. Tu n'as même plus d'attraction face à elle. Mon ami, c'est une grâce. Ça ne vient pas de toi. Alors garde-toi de te bomber la poitrine. Garde-toi de te frapper le torse. Non, c'est une grâce. Ça te vient de Dieu. Écoutez, frère. Savez-vous que le fait même de naître de nouveau est un problème
processus impossible à l'homme. Oui. Si cela n'était pas donné de Dieu, c'est impossible. Impossible. La Bible déclare à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Joseph, naître de nouveau est un pouvoir que tu reçois de Dieu. Combien de gens ont fait la prière de récitation? Seigneur Jésus, je crois en toi, je te donne ma vie, je t'ouvre mon cœur. Il a fait la même prière que toi, mais une semaine plus tard, un mois plus tard, trois ans plus tard, il est dans le monde. Mais toi, le même jour, tu avais fait la même prière, mais jusqu'aujourd'hui, tu persévères dans la foi, tu grandis dans la foi. Qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et lui? Cela t'est venu de Dieu. Il t'a donné le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de devenir enfant de Dieu. Frère, pour qu'un enfant naisse, la mère doit avoir suffisamment de force pour pousser. Un bébé ne sort pas par lui-même. C'est la force. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 7. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Mais ce n'est pas très clair. Quelquefois, lui second n'est pas toujours très clair. Mais lisons la version Alfred Cohen. Écoutez, je m'adresse là à chacun en particulier. Toi, mon ami, dis-moi, qui t'a donné une supériorité sur les autres? Par quoi te distingues-tu? Tu te vantes de posséder certains privilèges, des connaissances particulières, mais de qui les tiens-tu? Qu'as-tu qui n'était été donné? Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi t'en vanter comme si tu l'avais acquis par tes propres efforts? Dis-moi, frère, soyons humbles. Ce que nous avons nous vient de Dieu. Ce que nous sommes nous vient de Dieu. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Dis-moi, qui se maquille hier soir? Qui hier soir, avant de dormir, avait prié Dieu pour qu'il se réveille ce matin? En tout cas, moi, je n'ai pas prié comme ça. J'avais prié, demandé à Dieu de me garder la nuit. Mais je n'avais pas prié pour que je me réveille le matin. Mais je me suis quand même réveillé. Mais nous nous sommes frères. Ce que nous sommes et ce que nous avons n'est rien d'autre que le produit de la grâce. Amen. Le savoir nous préserve de l'orgueil. Tu veux t'enorgueillir de quoi? Du ministère? De ton spirituel? Cela t'a été donné de Dieu. Sois humble, mon ami. C'est une grâce. Regarde ton frère, dis-lui, sois humble. Oui, et que cela soit une attitude permanente.
Suis-je en train de parler à quelqu'un? La Bible dit dans Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Mon ami, le salut ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Romains 3, 27 à 28, la Bible déclare: où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Or la foi n'a été activée que parce que la grâce est venue. Nous avons cru. Nous sommes sauvés parce qu'il y a eu la grâce. Sans la grâce, la foi est vide. Quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Que Dieu nous donne d'être humbles. Mais il y a une troisième vertu spirituelle. Que le fait d'être au courant et conscient de là d'où nous venons produit en nous. Bien-aimés, j'ai aimé ça. C'est la compassion des âmes. La compassion des âmes. La compassion des âmes perdues. Bien aimé, cela nous pousse à ne pas mépriser ceux-là qui sont encore dans le monde. Quand je pense, Maman Sandra, comme moi-même il y a quelques années en arrière, j'étais dans les ténèbres de ce monde. Quand je réalise cela, aujourd'hui je ne méprise pas les païens. Malheureusement, l'église est devenue trop orgueilleuse. Regarde-nous comment nous réagissons. Quand nous sommes sur le boulevard, à une certaine heure, ou à Victoire, ou je ne sais pas où encore, et nous voyons les petites dames en petites culottes, en petites jupes, en train de vendre leur corps. Mais regardez-nous combien de fois nous les méprisons, combien de fois nous les dédaignons. Regardez ces pauvres pécheresses. L'enfer vous attend. Vous allez souffrir. Attendez, pécheurs, vous allez mourir. On a l'impression qu'on est dans la joie. La Bible déclare: Dieu ne désire de la mort d'aucun homme. Non, mais ce qu'il veut, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Un jour, les disciples, ils étaient choqués par les attitudes de gens du village. Alors ils ont dit à Jésus: est-ce que tu permets que nous puissions descendre le feu pour le consumer? Jésus a tellement dit, Jésus les a regardés, il leur a dit: je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Jésus est venu pour sauver les âmes. Jésus n'est pas venu pour écraser les perdus. J'aime dire une chose: il n'est pas venu enterrer les morts. Non, Jésus est venu ramener à la vie ceux qui sont morts. Je prie que Dieu nous donne le regard de Christ. Quand il voyait les païens, les prostituées, les perdus, il ne les méprisait pas, mais son cœur était ému de compassion. Son cœur était ému de compassion. Son cœur était ému d'amour. Et dans les textes originaux, bibliquement parlant, le mot compassion est aussi traduit par le mot miséricorde. Donc
Alors quand la Bible dit qu'il fut ému de compassion pour la foule, cela veut dire qu'il fut ému de miséricorde pour la foule. Bien aimé, si lui qui n'a jamais vécu ce que nous avions vécu en étant perdu, il peut être ému de compassion et de miséricorde pour les perdus. Mais pourquoi est-ce que nous, qui autrefois étions perdus, mais maintenant nous sommes sauvés, et ce n'est pas par nos efforts, mais comment pouvons-nous mépriser les pécheurs? Comment pouvons-nous dédaigner les pécheurs? Et des fois même nous sommes quasiment dans la joie de savoir, tu vas rester ici bas avec l'antichrist. Ou souffrir. Tu vas renier comment? Ou souffrir bien. Et tu te sens bien. Quand Dieu te regarde, il dit. Mais moi, comment vas-tu en moi? Mais d'où leur vient ces histoires? Je prie que Dieu nous donne son cœur. Que Dieu nous donne ses yeux. Que nous puissions regarder les païens avec les yeux de Dieu. Pasteur Trésor, je reviens encore. Que la maison des miséricordes soit un centre d'évangélisation. Pasteur Trésor, je t'en supplie. Ne reste pas entre ces quatre murs. Sors souvent. Aide l'église à souvent sortir. Gagnons les âmes. Parlons de Jésus. Annonçons l'évangile. C'est le cœur de Dieu. Le salut des âmes. Et quand on réalise que nous-mêmes, hier encore, nous étions de perdus, non, frère, on ne méprise pas le pécheur. Mais au contraire, on est ému de compassion pour les perdus. Et Jésus-Christ lui-même ne méprisait pas les pécheurs. Il les aimait. La Bible dit dans Luc 7, 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. La Bible précise, ce n'était pas une servante de Dieu, c'était une femme pécheresse, et les gens la connaissaient et tout le monde savait que c'était une femme de mauvaise vie. Elle avait une très mauvaise réputation, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Écoutez ça, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Bien aimé, son cœur était brisé, elle pleurait ses péchés, elle pleurait sa vie. Son cœur était déchiré. Elle ne savait quoi faire. Elle a cherché dans sa maison. Ce qu'elle pouvait avoir de plus précieux, de plus cher. Alors elle a trouvé un vase d'albâtre, de parfum de nard. Un peu comme aujourd'hui, les mamans achètent des bijoux pour garder l'argent. À l'époque, on achetait le parfum de nard pour garder l'argent, quitte à revendre plus tard quand on est dans le besoin. Cela veut dire que
elle a pris ses économies. Elle est venue avec auprès du Seigneur. Son corps était brisé, elle pleurait. Elle a brisé le vase. Elle a répandu le parfum sur le pied de Jésus. Et de ses larmes, elle a baigné les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. C'était son corps qui parlait. Bien-aimé, imaginez un seul instant que Jésus-Christ ait méprisé cette femme. Comment allait-elle s'approcher? J'essaie de m'imaginer la scène. Jésus est à table, comme nous dit la Bible. En train de manger peut-être avec les invités. Et on voit tout d'un coup une intrus, une personne qui n'était pas invitée mais qui s'invite. Des fois, même quand tu n'es pas invité dans les choses de Dieu, il faut savoir s'inviter. Et elle s'est mise à s'approcher. Mais on la connaissait dans la ville. On connaissait sa mauvaise réputation. On connaissait qui elle était. Les gens se sont mis à se regarder. Et puis on s'est rendu compte qu'elle n'allait ni à gauche ni à droite, mais elle s'est dirigée tout droit vers le Messie. Et finalement, les gens ne regardent plus la dame, mais les gens regardent Jésus. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, c'est un saint homme. Jésus, il est pur, il est saint. Est-ce qu'il va permettre à cette femme impure de s'approcher d'elle? Bien aimé, au grand étonnement de tous, Jésus ne l'a pas repoussée. Jésus ne l'a pas rejeté, mais au contraire, son cœur était ému de miséricorde, ému de compassion. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peu importe le genre de vie que tu mènes, je suis venu te dire que Jésus ne te méprise pas, Jésus ne te rejette pas, au contraire, il a ouvert ses bras et il n'attend que toi. Il est venu pour te sauver. Bien aimé, la femme s'est approchée de Jésus. Jésus ne l'a pas rejetée. Ému de compassion, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le... Écoutez un peu le langage. De quelle espèce? Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Oui, Jésus connaissait. Jésus savait que c'était une pécheresse. Mais rappelez-vous, l'amour de Dieu est plus fort que le péché de l'homme. L'amour de Dieu est plus fort que le péché de l'homme. L'amour de Dieu est plus fort que le péché de l'homme. Nous sommes en train de parler de la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme, qui nous conduit à quelques vérités. La première, c'était que l'amour de Dieu est plus fort que le péché de l'homme. La deuxième vérité, c'est que nous devons savoir que peu importe nos exploits du passé, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Et nous avions dit qu'il était important que nous puissions toujours garder à l'esprit la conscience de nos origines, parce que ça produit en nous trois attitudes, trois vertus spirituelles. Premièrement, cela produit en nous la reconnaissance envers Dieu. Deuxièmement, cela produit en nous une attitude d'humilité. Et troisièmement, cela produit en nous la compassion des âmes perdues. Mais la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme nous permet de développer une troisième vérité qui est la suivante. Notez, chers bien-aimés,
Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime d'un amour éternel. Le prophète Jérémie le dit dans son chapitre 31, le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Ainsi dit l'Éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut bien avoir comme implication? L'amour de Dieu est éternel. Ça implique quoi? Bien-aimé, trois implications. Première implication. L'amour éternel de Dieu veut dire que Dieu, dans son amour pour toi, ne dépend pas de tes actes, mais de sa nature. C'est-à-dire que son amour ne dépend pas de qui tu es, ni de ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Non, son amour déterminé que par sa nature. Et c'est quoi la nature de Dieu? La Bible nous en parle dans 1 Jean 4:8. Dieu est amour. Pourquoi Dieu t'aime? Malgré tes péchés, malgré tes imperfections, malgré tes failles, malgré ta lourdeur, malgré tout ce que tu es, malgré le fait que même quand Dieu te reproche, tu continues. Mais malgré que tu continues, lui aussi continuer de t'aimer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait cela? Bien aimé, Dieu, il ne peut en être autrement. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est amour de par sa nature. Bien aimé, c'est comme moi. Je suis homme. Je ne peux pas nier cela. Même si je change de démarche et que je me mets à marcher comme une femme, mais naturellement je suis homme. Je ne peux pas changer cela. C'est dans ma nature. C'est comme ça que je suis. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu n'a pas de l'amour. Non, Dieu est amour. Donc en fait, Dieu, c'est l'amour personnifié. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'amour est une personne. C'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors bien aimé, arrête de dire non parce que j'ai fait ça la semaine passée, Dieu ne m'aime plus. Il y a des gens qui se demandent, le pasteur Ken, regarde ce qui m'arrive dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Non, l'amour de Dieu pour toi ne dépend ni de ce que tu as fait, ni de ce que tu as manqué de faire. Non, l'amour de Dieu dans ta vie ne dépend même pas du fait que tu es devenu chrétien. Je vais peut-être choquer quelqu'un. Ne pense pas que Dieu t'aime maintenant parce que tu es né de nouveau. Non, même avant que tu te convertisses, Dieu t'aimait déjà. Je vais aller encore plus loin. Même avant que ton père ne rencontre ta mère, Dieu t'aimait déjà. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est amour. Il est amour.
Dieu est comme de l'eau. Tu le mets dans un gobelet. Jésus forme ma catine. Tu le mets dans un gobelet. Jésus forme ma copo. Tu le mets dans un gobelet. Tu na ce qui sane Jésus forme ma sac. Mais maille est côté qu'à la maille. Mais l'eau reste. Na nzungu est maille. Na copo est maille. Na kikalungu est maille. Il y a rien qui peut changer la nature de l'eau. Et le côté copo. Peu importe le contenu. L'eau reste eau. C'est comme Dieu. Il est amour. Il est amour avant. Il est amour pendant. Il est amour après. Dieu est amour. Et il ne t'aime pas parce que tu. Mais il t'aime parce que il. Alors arrête de te poser des questions. Non, Dieu ne m'aime plus. Il est impossible que Dieu puisse arrêter de t'aimer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut changer sa nature. Amen. Deutéronome 7, 7 à 8, la Bible déclare. Ce n'est point parce que vous êtes, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tout le peuple. Autrement dit, ce n'est pas par vos capacités que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, oh, donne-moi un bon mais. Mais, parce que l'Éternel vous aime, point bas. Si vous a choisi, c'est pas parce que vous êtes plus mieux que les autres. Non, c'est parce qu'il vous aime. Point bas. Donc ça ne dépend pas de vous, mais ça vient de lui. Et ça dépend de lui. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ou suis-je en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, retenez cette vérité. L'amour de Dieu n'est pas influencé par ce que nous sommes. Mais par ce que Dieu est. L'amour de Dieu n'est pas influencé par ce que nous sommes, mais par ce qu'il est. Mais pasteur, voulez-vous dire que notre manière de vivre ne dérange pas Dieu? Non, c'est pas ce que je veux dire. Pasteur Trésor, appelle-moi le nom de ton premier fils. Johan. Tu aimes Johan, n'est-ce pas? Est-ce pour autant que tu permets à Johan de faire des bêtises? Non. Pourquoi? Parce que tu l'aimes tellement que tu ne peux pas permettre qu'il fasse des bêtises. La pensée de se dire que l'amour de Dieu me donne le droit de faire tout ce que je veux est fausse. Parce qu'un homme a dit ceci. Suivez bien. Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme tel. Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime beaucoup trop pour nous laisser comme tel. Voilà pourquoi Dieu te change. Il te transforme. Il fait de toi une nouvelle, une toute autre créature. Alléluia. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'amour de Dieu est éternel. Deuxième implication. L'amour de Dieu est éternel. Cela veut dire que l'amour de Dieu ne connaît pas de fluctuations. L'amour de Dieu ne connaît pas d'oscillation. L'amour de Dieu est constant. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amour de Dieu ne monte pas. L'amour de Dieu ne descend pas. C'est une erreur de croire. Et c'est Dieu même Alingako kaka makasi. Il t'aime toujours aussi fort. C'est faux de croire
De ces jours-ci, j'ai l'impression que Dieu m'aime moins. Non, l'amour de Dieu ne connaît pas d'oscillation. Ce n'est pas qu'avant il t'aimait moins, aujourd'hui il t'aime plus. Non, pasteur, il est comme fidèle dans ma camionza, mais nous on est au parce que je suis devenu très fidèle. Certainement que Bolingwanza peut pas n'engager Mati. Non. L'amour de Dieu n'oscille pas. Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire sans oscillation. Pourquoi? Parce que Dieu, suis-moi bien, de par sa nature, il est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu est dans la dimension de l'infini. C'est-à-dire, s'il y a des bons, Dieu est dans le meilleur. S'il y a des meilleurs, Dieu est dans l'excellent. S'il y a l'excellent, Dieu est dans quoi? Dans les très excellents. S'il y a des très excellents, Dieu est dans les sublimes. S'il y a des sublimes, Dieu est dans les giga méga. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors tout ce que Dieu fait, il le fait à sa taille. Tout ce que Dieu fait, il le fait selon sa nature. De la même manière que Dieu est dans ce qui est de sublime, giga, méga, l'amour de Dieu pour toi, c'est dans ces proportions-là. Dieu t'aime d'un amour incommensurable, un amour qu'on ne peut mesurer, un amour qu'on ne peut compter, un amour qu'on ne peut sonder. Bien aimé, l'amour de Dieu dépasse toute proportion imaginable. L'amour de Dieu dépasse tout ce que tu peux concevoir et comprendre. Imaginez Christ, Dieu en arrive jusqu'à se dépouiller de sa nature. Je parle de Dieu, c'est-à-dire omniscient, omnipotent, omniprésent. Je parle de Dieu, créateur de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Je parle de Dieu qui a la maîtrise de toute science. Je parle de Dieu, celui qui n'a pas de limites. Même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Bien aimé, aussi loin que tu peux pousser ton imagination, tu dépasses notre système solaire, tu dépasses notre galaxie, tu dépasses, si il y a d'autres univers qui existent, tu les dépasses. Mais aussi loin que tu peux pousser dans ton imagination, ça ne peut pas contenir Dieu. Je parle de ce Dieu-là. Et Christ accepte de se dépouiller de cette gloire-là, de cette position-là, et d'accepter de se limiter dans l'humanité. Je ne peux comprendre ça. Je ne peux comprendre ça. Pasteur Trésor, entre nous, de toi à moi, qu'est-ce que Christ a à gagner? Parce que dis-moi, qu'est-ce que toi tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qui peut réjouir son cœur jusqu'à dire? Il fallait qu'on accouche. C'est quoi la chose que tu peux lui donner? Avec ton humanité. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Si j'avais faim,
Est-ce que je te le dirai? Que tu peux donner à Dieu pour. Est-ce que tu connais qui a fixé les limites des mers et des océans? Tu n'es rien. Grain de poussière. Argile. Qu'est-ce que ton existence peut apporter de plus à Dieu? Rien. Il n'y a qu'une seule chose qui explique l'œuvre de Christ. L'immensité de son amour. Amen. J'aurais été à ta place, je crois que j'allais acclamer un peu plus. Et son amour, aussi élevé puisse-t-il être, ne connaît pas de fluctuation. Amen. De la même manière que Jacques 1, 17 nous dit, en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Son amour à ton égard ne connaît ni changement ni ombre de variation. Miséricorde pour toi ne connaît ni changement ni ombre de variation. Si j'en train de parler à quelqu'un. Et la dernière vertu, c'est par elle que je vais terminer ce soir. Comme troisième implication du fait que l'amour de Dieu soit éternel, c'est que l'amour de Dieu est intemporel. Son amour est intemporel. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, l'amour de Dieu n'est pas limité dans le temps. Alléluia. Amen. C'est éternel. Ça dépasse le temps. Bien-aimé, pour nous, c'est une garantie. Cela veut dire que l'amour de Dieu ne s'arrêtera jamais. Il n'y aura jamais un jour où Dieu cessera de t'aimer. Frère, il n'en existera pas. Son amour est intemporel. Ça va au-delà du temps. Mais deuxièmement, c'est que cela veut dire l'intemporalité de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu ne peut s'user avec le temps. Ah, j'ai aimé ça. Alléluia. Amen. Il t'aime toujours au plus fort qu'en 1973. Son amour est toujours fort en 99. C'est toujours fort en 2000, c'est toujours fort en 2005, c'est toujours fort en 2021, c'est toujours aussi fort en 2022, en 2030, l'amour de Dieu sera toujours aussi fort. Pourquoi? Parce que son amour ne s'use pas malgré le temps. Bien aimé, le temps passe, les grains germent. Les plantes poussent, les fleurs fanent, les feuillages flétrissent, les arbres tombent, les lions chassent et ils meurent. Le soleil continue de tourner, ou plutôt la terre de tourner. Bien aimé, l'amour de Dieu reste intact. Son amour ne connaît pas d'usure. Son amour n'a pas de date de péremption. Son amour ne connaît pas de validité d'expiration. La Bible dit dans le livre de Psaumes, le chapitre 103, le verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. J'ai aimé cela dans la version française courante. Mais la bonté
paix du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Son amour dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants. L'amour de Dieu demeure intemporel. La Bible dit dans Isaïe 54, le verset 8. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci: dans un instant de colère, je t'avais un moment dérober ma face, mais avec un amour éternel, avec un amour éternel, avec un amour éternel, cet amour qui ne change pas dans le temps, cet amour qui ne connaît pas d'oscillation. Dans un amour éternel, j'aurai compassion de toi. C'est-à-dire, j'aurai miséricorde de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Yahweh. Cela me permet de nous donner le deuxième but de cet enseignement. C'est de nous affranchir de toute forme de culpabilité et de nous rendre plus efficaces dans le service auquel Dieu nous a appelés. Bien-aimé, libère-toi de toute forme de culpabilité. L'amour de Dieu est plus fort que le péché de l'homme. L'amour de Dieu est éternel. Et troisième but de notre enseignement, c'est que cet enseignement va affermir notre assurance du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains manquent d'assurance de leur salut. Aujourd'hui, comme il s'est bien comporté, si la trompette sonne aujourd'hui, je serai enlevé. Mais demain, parce qu'il rate deux, trois choses, alors il remet en question son salut. Est-ce que cette trompette est sonnée? Est-ce que je vais partir? Bien aimé, à cause de l'amour de Dieu, tu as ton salut est garanti. Parce que Dieu ne te sauve pas ou ne t'a pas sauvé à cause de tes œuvres, mais il t'a sauvé à cause de son amour. Or, comme son amour est éternel et qu'il t'aime d'un amour éternel, bien aimé, que rien ne te pousse à remettre en question ton salut. Il t'a sauvé, tu es sauvé, tu lui appartiens et il t'aime d'un amour éternel. Que Dieu vous bénisse. J'ai à cœur que nous puissions nous lever tous. Je le sens dedans de moi que l'on passe un moment profond d'adoration. Nous allons répondre à l'amour de Dieu. Nous allons répondre au cœur de Dieu. Il nous a aimés d'un amour si grand, un amour si fort, un amour si intense, un amour si profond, si grand. Nous ne pouvons que répondre à cet amour. Et Dieu se réjouit de toi. Il se plaît de toi. Nzamba sepela kanayo. Asepela kanayo te po oyo yo zo sala. Asepela kanayo po oyo ye aza. Il est amour et il t'aime dans sa nature. Oh bien-aimé, j'aimerais qu'on passe ce temps dans une profonde adoration, sans culpabilité, que cela jaillisse de ton cœur. Rends-lui grâce. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu.
Réponds à son amour. Réponds à son amour. Réponds à son amour. Adore, mon ami, adore Dieu. Oh, Lukango na mozindo ya motema na yo. Cherche cela au plus profond de toi. Souviens-toi, hier encore tu étais perdu. Dans son amour il t'a retrouvé. Quel ami, quel ami, quel ami merveilleux. Quel ami merveilleux. Quel ami merveilleux. Lui c'est pour moi un ami intime. Un ami intime. Qui a boit kakangaïté. Il ne m'abandonne pas. Nala manana la nene bonana la 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 bâche de beau. Mon âme t'adore, Seigneur.
t'adore. Mon âme 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 t'adore, Seigneur. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. T'adore, Seigneur. Oh! 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 Shadadadadas, Madenebo, Lama Shadadas, Lama Shataba, Motemananga Yesone to Lionza. Temananga yezoguma melayonza Adama Adama nas Amande daba Ela mande de bashena ba Emande dala medalega Samia dalana lega dene manasi No prita kiba melidani da base ladina kamateles malibrani de gai sapela oh dieu danebo sita pale reta fra satema sikato buaka mintole di bosonaye jetons nos couronnes à ses pieds, 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 appelle sa bisognonce, appelle sa bisognonce. Apesa biso nyonso Oh ya motu ya zala ki nango apesa biso Il nous a donné tout ce qu'il avait de plus précieux Il nous a pas refusé son fils Il nous a pas refusé son sang Il nous a pas refusé sa vie Voici kamana netolaye Voici kamana gumba melaye Oya sali ezole kelangai Oya sali ezole kelangai Eba na la mana la beba na na Eba na nena maya Ela mandele Mama mana laya Namo sumu ki abongo lingai Namo tunama sumu abongo lingai Elo na komi mosali na nzambe Potsika ngana neto la ye La mande la mana Ela baba Si amandele Ala baba la dalabada Rebra bada la Sanda mana la yaba Yes.
adore, 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 adore. Persécution, la tribulation, le péril, la famine, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les profondeurs, ni les hauteurs, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi avec mes frères ce soir nous pouvons dire, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, dans ces choses il y a la faim, dans ces choses il y a la culpabilité, dans ces choses il y a le désespoir, dans ces choses il y a l'état actuel de ma vie. Mais Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et à cause de celui qui nous a aimés, je déclare que nous quittons ces lieux avec la certitude que non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais notre salut, nous ne le perdrons pas. Nous quittons ces lieux avec l'assurance de la vie, l'assurance de la victoire et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans nos cœurs. Je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent à jamais votre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse et bonne soirée chez nous.